Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission de prédilection. Le débat sur Tati TV, Télé Anacaona. Comme on connaît plusieurs channels pour suivre l'émission, ça. Sur 11.3, Poste Lucie, 18.7, Miami, 38.5, Orlando. C'est sur différents channels où capable de suivre l'émission, ça. Année, ça, pas de facile. C'est une année qui est extrêmement difficile. Que ce soit pour nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, mais pour Haïti qui est le pays, nous. Eh bien, lorsque nous arrivons à la fin d'année, chaque monde toujours prend soin pour faire un bilan, pour regarder qui ça a été réalisé, qui ça n'a pas été réalisé, pour être capable de faire perspective, projection pour l'année prochaine. Eh bien, c'est dans ce sens que nous allons recevoir numéro 1, ville de Miami, qui est magistrat Philippe Bien-Aimé. Magistrat Philippe Bien-Aimé, bonsoir, bienvenue dans le débat. C'est moi qui remercie pour l'invitation que vous avez pour venir dans le débat, pour nous brasser l'idée sur ce qui a passé la CAI, qui est un bilan année ça, ici aux États-Unis, et spécialement dans la ville de North Miami. Voilà, et ville de North Miami, nous connaissons ensemble de réalité. En nous camper ville là, en termes de l'organisation de la ville, comment on peut présenter ville de North Miami? Bon, ville de North Miami, son gouvernement à deux branches, où c'est gouvernement qui est magistrat avec quatre membres concernants, qui c'est lui-même qui set up police civile là. Et puis, il y a l'administration qui compose avocat ville là, ensemble avec City Manager, c'est eux-mêmes qui sont en charge of administration daily operation, ville North Miami. Ça veut dire contrôler employés, contrôler police department, code enforcement, travaux publics, park and recreation department, avec tout département qui composait ville North Miami, qui composait administration. Donc, c'est City Manager avec City Attorney qui contrôlait. Donc, c'est Sam Gadou en gros de qui j'ai une composition ville North Miami qui fonctionnait. Très bien. Donc, pas de empiètement en termes de gagner au monde qui a un pouvoir politique, là, puisque nous connaissons dans le schéma nous, en Haïti. Mais principal là, c'est lui-même. Dans le conseil et dans l'organisation collégiale, ça a présenté maintenant. Bon, j'ai un gouvernement, ville de North Miami et municipalité, pas bon ici de fonctionner. C'est comme si son conseil de gouvernement. Et conseil de gouvernement, décision au prend à la majorité de ses membres. Par exemple, dans la ville de North Miami, il y a un magistrat avec quatre membres, concernant, qui forment district 1, 2, 3, 4. Et décision nous réunit deux fois par mois. Et si il y a une émergence, nous sommes capables de faire un exécutif meeting. Et puis, décision que nous prenons, c'est à la majorité simple. Il y a une décision, c'est majorité simple. Ça veut dire trois membres concernant prennent une décision. Yo. Et bien, ça nous relait un deux tiers, ça nous relait majorité absolue, qui c'est deux tiers, ça veut dire quatre membres concernants qui doivent prendre pour le passer. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, contrairement avec Haïti, côté magistrat, c'est les gains droits de signature qui signent un chèque, qui fait tout le bagage, puis les gains deux assesseurs. Mais dans la ville de North Miami, la municipalité, pas bon ici, décision au prend en conseil. Ok. Maintenant, décision prend en conseil et puis décision passée par majorité absolue. Très bien. Donc, son espace politique. Nous disons deux majorités. Nous avons une majorité simple, 3 sous 5. Et une majorité absolue dans ça qui est pour avec l'affaire zoning change dans la ville. Donc, c'est deux tiers membres concernant. Ça veut dire 4 sous 5 qui pour approuver pour le passer. Mais en réalité, ça, est-ce que son réalité qui est facile, surtout. Là où il y a un schéma, ça, et puis c'est des gens qui sont dans des structures politiques différentes, qui soient démocrates, républicains. Est-ce que le débat politique contradiction qu'on continue dans le schéma ça, bon, moi, je parle de modèle par rapport ici. Je n'ai envie de faire une alliance avec Haïti. Je préfère expliquer mon yo, comment le modèle ici fonctionnait et souhaiter qu'on joue. Haïti a pris exemple de gens nous fonctionner, babo ici, au lieu que c'est nous-mêmes qui avons cherché pour exemple de gens Haïti fonctionner. Gens ici de fonctionner, quelle que soit la décision, pas oublier que nous sommes municipalité que nous avons géré, c'est ça, nous les gestions administratives en ville, pas vrai? Nous faisons gestion administrative ville là. Puisque nous faisons gestion administration en ville là, nous conseillons de bagarrer décision que nous prenons, donc décision prend à la majorité.
dans le sens intérêt ville. Pas oublier que ici, il y a une élection chaque 2 ans, chaque 4 ans. Ensemble de décisions qu'on prend pour le permettre ou réélu ou pas dans la next élection qu'on a bien parce que pas un gouvernement à vie, pas un magouille, pas un acheter élection, pas un bagaille comme ça. Donc c'est pour ça nous tout cap prendre décision yo, nous make sure que décision que nous prend yo l'aller dans sens intérêt résident avec business qui dans ville North Miami ou bien dans municipalité côté que vous dirigez. Donc que vous avez opinion politique ou c'est républicain, démocrate ou bien indépendant ou bien pas une position du tout, mais quand il s'agit de prendre des décisions en faveur de résident avec business dans ville là, ou prendre en votre âme et conscience. Très bien. Nous connaissons une forte population haïtienne dans notre Miami. Et pourcentage de monde qui vivent dans notre Miami, c'est combien? Et comment nous arriver à faire gestion? Puisque nous connaissons, ce n'est pas seulement pour haïtiens et nous diriger, même si la majorité des monde qui votent, donc et pour magistrat, c'est en pile haïtien. Mais comment nous arriver à faire gestion en termes de business, infrastructure, en termes de ramasser fatra, puisque nous connaissons ville North Miami, ils ont une grande réalité. Comment nous faire gestion ça? Bon, pas oublier que c'est magistrat ville North Miami. Ouais, de que l'élection, la majorité qui votait pour moi, pas oublier nous tous ces conseils-là. Dans le conseil, on a un haïtien, un étranger. Il dit même j'aime même quand une majorité haïtien qui votait pour moi ou quand nous l'autre membre conseil qui ont majorité étranger qui votait pour lui. Donc ça veut dire nous chita n'a prendre décision, nous pas prendre décision pour haïtien ou bien pour blanc ou bien pour américain ou bien l'autre catégorie monde, nous prendre décision pour résident ville North Miami y regard de couleur, race, ethnique, quel que soit sa lien, parce que si on parti dans ville là qui marche mal, c'est toute ville là qui est affectée par lui-même. Si on parti dans ville là qui marche bien, c'est toute ville là qui est affectée. Donc ensemble de décisions que n'a prend yo sont décisions comme magistrat ville North Miami et moi monsieur magistrat ville North Miami, c'est premier citoyen ville là. Donc ça veut dire me prendre décision pour résident ville là, décision qui bon pour résident yo. Très bien. Philippe Bien-Aimé, qui c'est magistrat ville North Miami. Est-ce que magistrat ville North Miami a un contrôle et North Miami en matière de sécurité de police qui travaille dans la ville là? Comment ça a fait? Pas oublier que nous sommes governing body of the city. C'est nous-mêmes qui gouvernement, c'est nous qui prenons décision, c'est nous qui votons budget, c'est nous qui allouons budget pour différents départements, inclus police department. Ça veut dire nous set-up policiers. Moi, bon simple exemple. Pour prendre décision, est-ce que police ville North Miami doit avoir une body camera? Ça veut dire le police dans reton monde, les supposé une caméra on pour capable ouais conversation que le gain avec monde là pour si demain vienne une investigation, yo ka utiliser caméra ça pour prendre information pour ouais est-ce que c'est minorité qui right ou bien est-ce que c'est police qui wrong. Donc c'est nous qui prenons décision pour nous dire body camera. C'est nous qui prenons décision pour nous dire nous besoin additionnel police. C'est nous même qui prenons décision pour nous dire que est-ce que n'a mettre plus police ou bien moins police. Est-ce que n'a augmenté budget ou pas. Et c'est nous même qui choisit city manager et city manager c'est les mêmes qui choisit police de chief ville North Miami. Et police chief là les mêmes c'est les qui choisit commandement li, ensemble avec ensemble de policiers qui a travaillé dans corps police. Donc there is a safety net dans pays ça. Safety net là gon chaîne de commande et tout monde respecter chaîne de commande là. Donc c'est comme ça nous fonctionner. Donc ça veut dire pouvoir politique là, magistrat avec toute équipe là, yo gagne responsabilité pour ville North Miami aller bien. Maintenant à partir de qui budget que nous gagne dans ville North Miami puisque nous connaît, je dis en soi mande qui budget d'Elma gagne ou pas connaît. C'est le magistrat qui connaît. Est-ce que les bagages ça eux, c'est des bagages qui connus de tout le monde? Bon, pas oublier que Delma, s'ouvre les connaît. Ici, il y a un public record qui a joué facilement. Mais pas oublier que le magistrat a un budget, soumet les bagages, le ministère finance, la Cour des comptes, les passer dans le Parlement, qui a une idée, sous chercher connaît. Nous avons un budget à peu près 200 millions de dollars dans la ville de North Miami. C'est à peu près le budget ville. 200 millions de dollars? Yes. Ok. Et 200 millions de dollars, est-ce que lui répond avec toute sa mort soutenir campé la budget pour police, ramasser fatra, parce que et total budget ville là. Total budget ville là. C'est budget ville là inclut toute bagarre là. OK. Maintenant, magistrat, on regarde le côté social. Par exemple, le côté social
qui rôle municipalité à magistrat puisque nous connaissons, nous sommes en fête fin d'année grand pile activité nous réaliser est-ce qu'il y a un fonds qui alloue directement aux gens de l'activité ça ok it's a budget budget là 200 mm-hmm. millions de dollars nous prévoit de ça gain pour faire de 1er octobre le budget a mm-hmm. commencé jusqu'à 30 septembre le budget a fini mm-hmm. donc ça veut dire tout ce work a fait il fait en dans budget mais nous comprendre que à la fin de l'année il y a bien Christmas pas oublier que ici vision c'est pas vision jeudi demain okay. son long term nous gain short term mm-hmm. décision que nous prend nous gain un moyen terme décision que nous prend et nous gain long term décision que nous prend nous connaît que a bien Christmas qui mm-hmm. venir nous connaît généralement lors de Thanksgiving nous fait distribution turkey lors de Christmas nous fait distribution cadeau by Timounio mm-hmm. nous fait activité pour mm-hmm. Timounio donc ça veut dire nous sûr que le budget a au niveau de Park and Recreation Department gain l'argent qui alloué mm-hmm. pour Park and Rec faire activité même j'ai tout gain l'argent qui alloué pour police department là il fait activité pendant toute année donc quand tout ça qu'a dépensé il prévoit dans budget a il gain rubrique parler dans budget a et même gain des rubriques discretionary côté l'argent li available pour faire activité dans ville là et on choisit qui activité qu'on veut faire dans ville là dedans très bien nous ouais tout non seulement gain des gros activités nous et citoyen nous organiser là nous ba en pile cadeau même moi gain gift cards est-ce que ça allait rentrer dans budget là parce que moi grand pile gift cards qui t'a bail ce maintenant et de représentant sous la police est-ce que ça fait partie budget là oui gain de bagaille qui gain de cas imprévu okay. vous comprendre en dans l'op dirigeant ville mm-hmm. OK pas oublier que depuis mars 2020 mm-hmm. gon state of emergency qui déclaré côté n'a adressé emergency n'a adressé problème affecté par COVID-19. Mm-hmm. Donc c'est dans cadre travail ça que là nous fin faire première distribution turkey et manger pour Thanksgiving là mm-hmm. donc pour décembre là pour Christmas et fin d'année yo, nous estimer permettre que mon rejoigne un gift card pour $100 à peu près 2000 familles mm-hmm. donc that's the right thing to do mm-hmm. donc étant donné que gon shortage in supplies mm-hmm. donc nous pas vle di nous pas acheter manger puis nous joindre l'huile bon ici nous pas joindre du riz l'autre bon une série de bagages que nous pas joindre donc nous préférer bay moun yo un gift card pour capable shopping dans Publix pour $100 et c'est ça n'a distribué à peu près 2000 familles dans ville North Miami te fait le 16 17 et 18 et mercredi qui sont passé là quoi le 23 mm-hmm. non le 22 nous te fait li en façon pour reste monde qui pas joindre. Donc quand tout ça rentrer l'activité que nous fait pour fête fin d'année. Très bien. Et dame ouais aspect ça, me connaît que Thanksgiving nous gain activité fête fin d'année, moi t'es là et malgré plusieurs activités n'a pas organisé. Est-ce que gain un budget dans ville et North Miami dans municipalité pour accompagner un dit grand monde qui gon grand famille qui gon gros problème et puis le besoin support de la part du magistrat ou bien encore citoyen. Est-ce que gagne un week comme ça puisque nous connaît Merlan c'est le père c'est premier citoyen c'est papa tout en fin. Bon on connaît que pas oublier que gouvernement ici gens le fonctionner ou gagne municipalité ou gagne county ou gagne state ou gagne fédéral conseil mm-hmm. de bagage c'est au niveau fédéral il y a réglé ça gagne de l'autre bagage c'est au niveau de state là gagne de l'autre bagage c'est au niveau county et gagne mm-hmm. des bagages c'est au niveau municipalité que le régler on connaît que ici gagne pile non profit organization mm-hmm. vous comprenez ça les 501c3 qui gagne recevoir grant avec fonds de gouvernement de private sector pour capable porter assistance ba au monde mm-hmm. donc si mon nan problème si ti en doit pas gon rubrique comme ça pour porter assistance ba au monde nan mais nous voyer nous référer avec une organisation avec une autre entité qui capable aider mon nan donc pas oublier que ici bon safety net leur gain cob blanc les domaines sont café mais sont pas café avec. Très bien. Donc c'est pas même Haïti comme si magistrat gon caisse l'argent mm-hmm. comme marché à rentrer mm-hmm. li gen long tiwa comme tel bagaille rentrer mais on comprend c'est génie municipal mm-hmm. pour l'argent mettre long tiwa mm-hmm. et puis mon nan vini dit le grand goût li rale $200 balé l'autre mon nan besoin faire enterrement rale 3,000-4,000 dollars balé donc nous même nous va gérer l'argent cash nous pas faire gestion de bagaille comme ça. Très bien. Madame monsieur notre invité Philippe Bien-Aimé le maire de la ville de North Miami. Avec Philippe, nous avons gardé
perspective yo, n'a regardé qui ça qui bilan, nous profiter regarder tout différentes activités que les mêmes que citoyenneté organisé pendant année. On va regarder et aspect ça, qui ça qui bilan, bilan annuel puisque nous connaît ou fait toute année ou travail sans prendre souffle avec une équipe. Donc nous en fait année qui bilan. Bon, nous passer en pile loi dans ville là pour faire ville là avancer. Nous voter dans budget à plus en pile l'argent pour capable faire infrastructure dans ville là à peu près 12 millions de dollars dans ensemble budget pour faire infrastructure, ça veut dire water project, sewer project, vous comprenez ça me donne investir dans affordable housing. Donc nous faire de gros investment dans ville là. Donc on connaît toute bagaille ça, c'est pas de bagaille comme sous pral ouais jeudi demain qui pral réaliser, mais à travers budget à nous fait nous dépensons pile l'argent et année ça il y a une bagaille que nous t'ai capitalisé sous lui en plus de investir dans ça qui gagne pour avec affordable housing dans supporter private developer pour venir faire développement dans ville North Miami parce qu'on connaît que gon shortage dans ça qui gagne pour avec housing. Okay. It's throughout Miami-Dade County. Vous regardez qu'on n'y a pas même qu'à louer un chambre-caille ou pas même qu'à louer deux chambre-caille, que ce soit dans la ville de North Miami ou bien l'autre côté, c'est très cher. C'est parce que demande là tellement en pile, donc il a augmenté le prix. Meilleur gens pour capable résoudre le problème, non, c'est créer plus units. Donc c'est ça qui fait que après année ça à travers Community Redevelopment Agency, nous voté pour à peu près 80 millions de dollars projet. Okay. Pour nous porter assistance by developer, by private developer pour capable faire bâtir affordable housing dans la ville de North Miami. Parce que nous connaissons nous-mêmes en tant que gouvernement, ce n'est pas nous qui allons bâtir Kayo. Ce n'est pas nous qui allons barrer pour nous dire comme ça, nous parlons de domaine construction. Mais ça nous fait, nous avons incentive à private developer pour le capable venir bâtir dans ville North Miami. Okay. Vous connaissez le cost of construction is so high. Vous comprenez prix saximent fait tout bagage ça yo very expensive surtout année ça avec shortage qui gagne de tout COVID-19 et de bataille qui gagne on connaît en deux administrations avec China avec l'Europe qui t'ai gagné depuis son administration de Champlain. Donc on shortage la supplies pas bon ici. Donc tout ça affecté prix construction. Donc nous comprenons ça dans le gouvernement ville North Miami. C'est peut-être ça pour aller que dans ensemble de projets qui viennent dans ville North Miami, nous bayons incentive. Incentive là bayol, c'est pour capable contrôler qualité développement qui vient parce que sous pas bayo aucun cop du tout ou pas contrôler ça qui vient et deuxième bagage là, make sure que projet qui vient hein, li sont bon projet et puis il y a affordable pour une série de monde. Et ça nous crée ça relé mix income housing. Nous pas créer projet dans ville North Miami. Ville North Miami, pas partisan pour créer projet, ça veut dire qui ça bâti caille pour malheureux. Nous pas fait ça. Ça nous fait ça relé mix income housing, ça veut dire non développement qui a fait par exemple nous avons développement dans 1155 qui pral build plus de 350 units, nous make sure que n'importe monde qui arrêter là-dedans. Ça veut dire qu'on parti là-dedans pour moun qui pas gen gros income. Gon parti là-dedans pour moun qui voulait luxury apartment et puis gon parti là-dedans pour market rate. Ça veut dire compétition market là. Donc ça veut dire nous créer ça relé mix income housing, ça veut dire toute catégorie moun ka rete dans même building là. Mais nous pas bâti projet dans ville North Miami et que moun qui gen kay dans ville là, yo très confident que Philippe bien-aimé tout autant que magistrat ville North Miami et même avec équipe qui a dirigé là, me croit que vous comprenez, nous pas pral vinn faire projet housing project seulement pour low income, mais n'a fond gens pour projet que nous faire moun qui veut qui caper luxe dans li payer là-dedans, moun qui gen moyen le payer et gon parti là-dedans pour moun qui gen low income, c'est parti ça que nous même nous financer. Maintenant dans projet 1157 là, yo dit 1155 gagné des moun et résident dans zone là qui pas trop d'accord projet ça. Comment nous arriver discuter avec eux dans cadre? Bon, pas on connaît, c'est développement que t'as fait. C'était avant ça t'es gagné appartement deux étages. Qu'on y a pral gen 9 étages, pral gen 10 étages. Donc c'est moun qui gen single family home yo, 2-3 là-dedans yo, ou comprendre qui pa remen. Mais qu'on sa la grande majorité remen. Parce que moi discuter avec 2-3, yo di que
yo chita yo parlé avec maestra Philippe bien-aimé yo dit que mais pour qui raison yo pas le projet à venir gen moun ki son bon projet mais gen moun ki dit la bon même si ne pas vle la bon comment qu'on est arrivé faire discussion pour nous convaincre nous puisque moi projet a dérapé pas gagné que on fait dans la vie cap satisfaire tout le monde there is no such thing pour 100% moun satisfait a bon grande majorité qui est d'accord ou une grande majorité pas d'accord a bon minorité zuit qui pas d'accord donc si on fait développement on va tenir compte de une minorité qui pas d'accord c'est de monde qui pas jamais d'accord quel que soit j'en fait seul gens pour ta faire faut ta quitter le tout story right pour quitter le tout story et puis pour le rester comme ça. Donc ça veut dire pas jamais satisfaire tout le monde là prend décision donc nous même décision que me prend m'estimer is the right decision ça veut dire non seulement n'a éliminé Slim and Blight par exemple son ou té ouais c'est deux story qui t'en en prison ou comprendre délapidé gon parti qui boulé ça pas go ken amenities dans zone là pas bien va dépenser 15 millions de dollars pour nous refaire infrastructure dans zone là moun qui gagne 5 gold family home yo ça veut dire moun qui gagne 3 chambres de toilettes seul ça yo peur que appartement gen doit gon bon moun ki pral parquer dehors pral parquer sous grass. Oui, je pose problème ça. C'est ça qui gen. Mais j'en nous fait li, c'est que majorité parking now will be inside of the building. Ça veut dire pas bien parking all the way outside et puis most of élément qui bien dans premier floor là, c'est commercial. Ça veut dire bon bel café, un bel restaurant en bas côté moun manger, relax, après ça la caillou et puis en l'air pour moun rete. Mais gon l'autre problème yo pose et maestra et bien-aimé yo di bill pas augmenter tant que yo parle de bill gloan qui augmente non ça pas rien pour avec avec construction pral bill 350 house affordable housing units right li pral mener 6 à 700 000 dollars taxes pour city chaque année donc ça pas rien pour avec construction fait développement pas rien pour avec glo comment c'est deux bagages différents n'a parlé donc ça le dit pas gain bagage comme ça donc projet à l'avancer ou après majorité moun yo d'accord avec lui comme moi soit prendre décision quand on prend le temps pour satisfaire 100% moun ou pas jamais faire développement donc moun yo pas besoin inquiéter c'est un bon projet qui bon pour communauté projet at the end of the day yo réalisé le sous garde pour ou après deux trois moun qui pas d'accord projet à commencement le t'a inauguré projet à yo t'a fait workshop pour hire moun pour travail ou après yo tout était là yo était fait tout ensemble donc ça veut dire au commencement pas jamais satisfait tout le monde et c'est ça qu'on leader you make the right decision gain décision qu'on prend moun yo pas pour c'est peut-être là 5 ans là 10 ans là 15 ans yo pas réaliser monsieur magistra Philippe bien aimé te gain raison oui ou bien gain tort c'est même genre l'homme t'a fait développement Solemia parce que l'homme t'est magistrat en 2015 c'est moi qui t'ai négocié Solemia pas vrai comme magistrat intérimaire gain pile monde qui pas d'accord mais qu'on y a yo tout fond seul côté au besoin arrêter c'est dans Solemia donc ça veut dire l'op fait développement pas ca l'op fait développement qu'on est que c'est ça qui est bon pour ville là c'est lui même parce que plus on met l'argent dans asset fiscal ville là c'est plus on gagne l'argent pour retourner by service à monde qui habite dans ville là alors projet Solemia c'est projet sous biscuit dans 151 dans 151 celle ça moi rencontré des monde qui dit presque c'est étranger quand dedans est-ce que c'est parce que au départ on pas intéressé parce que moun yo dit presque c'est étranger pas gagne haïtien vrai en termes de pourcentage est-ce que c'est parce que vous pas intéressé au départ qui fait que étranger ont profité opportunité ça non bon pas comprendre ça dit parce que en dedans haïtien qui habite en dedans premièrement deuxièmement n'importe monde qui aller c'est pour louer s'ouvre à l'étendre donc à l'étendre donc son construction liée donc c'est pour une construction côté au départ yo dit sous pas gagne corps ou pas ca louer sous haïtien ou bien sous noir donc c'est corps ouvrier et tout corps qui pour eto pour habitant dedans pas oublier que le projet a li bay 20 30 millions de dollars la taxe what we gonna do with the money nous pas réinvestir sous plan social bay monde qui l'en besoin c'est comme ça développement fait tout côté par exemple pour même la caillou qui sont ouais ou est cochon cabrit bon en main bon ici qui sont ouais ou est multimillion dollar house bon en main pas ouais donc so well donc nous même nous pas changer lui right ou d'accord avec moi OK si on fait 20 000 dollars 30 000 dollars est-ce qu'on ca arrêter l'on ca 3 4 millions de dollars bon en main non OK but
l'argent taxe que moun paye bol en mer ou utiliser pour retourner la population qui l'en besoin sous forme de service. Donc c'est comme ça opéré. Tout à fait. Maintenant, magistrat Philippe Bien-Aimé, nous connaissons la communauté notre Miami, qui est composée d'un paquet haïtien. Et qui côté la municipalité a joué un plus gros cob dans la taxe? Est-ce que c'est dans le business haïtien? Est-ce que c'est dans le business étranger? Est-ce que c'est dans l'appartement ou encore haïtien habité ou bien c'est dans le pays étranger? Bon, communauté haïtienne représente à peu près 38%. Mm-hmm. C'est à peu près 38% que représente la ville de North Miami. Quand il y a sous dîme noir qui représente à peu près 58%, mm-hmm. Yes. Donc ça veut dire en termes de taxes, c'est tout le monde qui paye taxes. Okay. Tout le monde paye même pourcentage. Mm-hmm. Ça veut dire si vous choisissez de l'encaisser 5 millions de dollars, vous payez 7,5% point. Si vous êtes là, 100 000 dollars, vous payez 7,5%. Donc tout le monde paye même quantité pourcentage when it comes to taxes qu'on y a c'est où choisi la caille qui prouve l'hérité. OK. Même pas veut faire décantation pour me dire c'est tel côté donc on okay. Pas veut créer animosité ça on seul bagage que me connaît tout haïtien qui rété tout haïtien tout américain tout monde qui habitait dans ville North Miami yo payé même pourcentage dans taxe. Donc, c'est vous-même qui choisit koto karité à koto pas karité. Mais par contre, côté moun paye plus pourcentage okay. Par rapport à un l'autre. Très bien. Maintenant, qui pi gros difficulté Anessa ou te rencontré? Pi gros difficulté Anessa que m'a rencontré dans la ville de Miami. Mm-hmm. Bon, c'est arrivé à joindre un pile l'argent pour être capable d'adresser le problème infrastructure qui gagne dans la ville. C'est peut-être ça pour nous content que. Président Joe Biden l'arrivé fait passer une infrastructure bill parce que qu'on est infrastructure aux États-Unis inclut Miami-Dade County inclut ville North Miami yo vieille de plus de 60 ans. Donc ça veut dire pour refaire order sur infrastructure en ville li mande en pile l'argent. The cob tax pas suffit faut un incentive ou bien grants from the federal government ou bien de gouvernement state là pour ou bien 40 ans suivant comme qui a loué pour être capable de faire infrastructure ça. Donc ça veut dire c'est difficulté ça que nous capable de gagner mais nous bien content de ce que nous voit que bill l'an passé au niveau Washington et qu'on y a eu à répartir comme ça avec municipalité yo j'aimerais te croire que ville North Miami a joindre un bon parti dans comme ça et pour être capable refaire infrastructure ville North Miami. Alors bien que tout à l'heure dans l'introduction on t'a dit que une situation extrêmement difficile ni ici ni à Haïti ni ici. Mais Mabdo ici il pas trop mal. Il pas trop mal parce que nous connaissons comme administration de champ là t'a diriger paysan et pas vle ouais immigrant, pas vle ouais monde noir permettre que police te comme si m'ta dou fait ça ou vle. Mais avec la venue de Joe Biden, c'est gon momentum qui changer même le policier pas tellement en faveur nous même comme haïtiens yo assassiné président en Haïti ou comprendre ça me donne ou songer El Paso qui ça t'est passé El Paso mais tant bien que mal is better que Jean l'était année passée moi pour que mon jeune petit pièce bien que jusqu'à présent mon a prétendu petit quatre travail là pour mon qui pas connait quatre travail pas qu'on ca joindre donc n'a prêché administration pour permettre que moun yo joigne quatre travail là pour capable de dégager le travail donc capable d'ou année ça it's been better than last year ou comment ça me donne la souffrance COVID là nous connaît gon émicron gagne variant delta comment nous gérer COVID là distanciation sociale tout principe est-ce que toujours respecté consigne comment gérer COVID 19 là bon le nous déclarer state of emergency nous prenons ensemble de décisions pour demander requirement mask qu'on série de côté pour demander moun yo pour pratiquer social distancing et nous investir en pile tout dans distribuer masque distribuer hand sanitizer and buy moun yo manger aider au pays kayo moun ki gen problème loue kay nous pas aider tout moun mais nous aider plus de 2000 moun et qui base nous aider moun ça nous aider comme que te recevoir de COVID 19 moun ki affecté par COVID peut-être moun ki te perdu job yo si pendant si moun a travaillé avant COVID et puis il vient perdu job li pendant COVID li automatiquement qualifié mais si moun a pas travaillé avant li pas qualifié parce que c'était l'argent pour monde qui affecté par COVID-19 qui était ban nous.
Donc, nous aidons les gens qui ont mortgage, nous faisons bonne assistance à les gens qui étaient affectés par COVID. Donc, nous faisons effort. Nous faisons effort et nous voyons que toi, il est vraiment baissé dans la ville de North Miami. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des désordres. Surtout dans le business haïtien, sur Dixie Highway, 7e Avenue, où il y a un petit gens sans masse, bien tape, bagay. Mais tant bien que mal police, donc on est nous-mêmes, j'ai nous adressé le problème police ville North Miami, nous fait sortir les community policing. Community policing, nous n'avons pas de police qui allait à l'Batmon, à l'arrêté, mais nous avons police sous bicyclette. Okay. And gentle, et nous avons chef police qui marchait tout côté, cal tout côté, qui parlait à tout le monde pour encourager les gens qu'on est à partir de l'été couvre-feu, à partir de 8 heures, nous pas dans la rue, mettez masse, pas de tout le monde qui réunit ensemble. Nous faisons effort pour nous gérer la ville pour permettre que nous diminuions tout le monde qui est affecté par le COVID, mais en même temps, tout nous permettre que la ville continue à fonctionner. Très bien. Donc, yon ville de Miami, si nous attendez, et magistrat là qui très abondant et puis très convaincant, son ville cap marche bien, son ville qui ont bon bilan à Nia. Nous gardons plusieurs aspects, nous gardons aspect sécurité, nous gardons aspect projet, réalisation, gros cooking chain et objectif ça que vous même poursuivre. Nous gardons aspect sportif ou culturel. Est-ce que nous encourager sport, football, ça qui a rapport avec et genre de activités sportives. Comment nous-mêmes nous entrer là-dedans, puisque nous connaissons l'école qui est en compétition, comment nous involve dans l'activité ça? Bon, pas oublier que le gouvernement ici, et pas municipalité, qui fait tout le bagaille. Okay. En pile participation secteur privé. Et quand on est question sport, c'est secteur privé contrôlé. Nous-mêmes, nous avons participation dans le parc, nous faisons activité. Mais quand on pile l'école de football, on pile instructeur, on pile private qui a fait le son, donc c'est Mounsa qui occupe. Le football, là, son bagaille. Sport, en réalité, son bagaille qui est tellement lucratif par bon site, qui est tellement important. Donc, secteur privé, là, c'est lui-même qui contrôle. Donc, il n'est pas tellement dans main l'État. Donc, ça nous fait nous make sure que nous avons un park available, nous make sure que nous avons une activité pour les gens recréer, et nous make sure que nous avons une safety dans le park. Nous make sure que le Park and Recreation Department fait activité pour capable aider les gens dans différents sports. Mais en réalité, on connaît le sport ici. C'est un bagage qui est très lucratif. Secteur privé, il est très, très involved dans bagage domaine ça. Et c'est un problème qui est en Haïti. En Haïti, on voulait que c'est l'État pour faire tout le bagage. Alors que ici, c'est le secteur privé qui fait tout le bagage. It's like the government set the policy. Nous disons, mais règles jouent là. Mais c'est le secteur privé qui fait tout le bagage. Parce que il y a l'argent dans tout le bagage. Mais en Haïti, c'est le gouvernement pour faire football, c'est lui pour faire volleyball, c'est lui pour faire basket, c'est lui pour faire ranger caille, c'est lui pour faire tout le bagage, c'est lui pour bâtir tout le monde. Mais magistrat, nous avons un petit peu dans le sport. Et comment accompagner, puisque nous avons un temps, est-ce que on papa ou pas un coach pour petit, puisque moi, je suis fait succès? Bon, pas oublier que moi-même, je suis magistrat ville North Miami. Mais avant tout, que son père de famille, je suis trois petites. Par exemple, je suis le premier petit film qui a 22 ans. Actuellement, elle a fait un master dans Planning and Zoning dans Florida State University, FSU. Donc, la diplôme next year. Et puis après ça, pour la law school, pour la faire Land Development Regulations. Et puis après ça, mon deuxième qui a 19 ans, qui est sophomore collège. Et puis, elle a joué football pour UCF, comprendre, University of Central Florida, qui fait que ce bat Gators, UF, ou qu'on est dans le ball game dans la semaine jeudi, de l'an match, de Tampa l'an match. Et m'gen dernier qui a 17 ans, qui sont senior high school, et puis qui pral graduer l'autre année dans high school, et puis qui a joué dans St. Thomas Aquinas, et puis qui fait que ce champion dans Division 7A, et monsieur li gen plusieurs scholarships pour la. Jouer football dans le collège et m'rete quoi que yon côté que m'kwè que monsieur Bralé m'kwè l'pral Alabama comprendre il va jouer dans Alabama A&M HBCU HBCU Black University
c'est l'âme qu'elle peut aller. Donc, on laisse que il a changé Mali, là, l'autre côté. Okay. Donc, travail de famille, là, je prends très à cœur, je ne fais pas politique 24-7. Je ne dis pas que je fais politique 24-7. Pendant ce temps, je quitte Kaïmouen, non. Je suis que ville, mais en même temps, tout, je suis que Kaïmouen parce que je ne suis pas magistrat encore, je ne suis pas commissionné encore, bien ne suis pas poste politique. C'est la Kaïmouen m'a tourné. Donc, je suis sûr que je bien gérer la Kaïmouen et je gère ville de Miami. Très bien. Maintenant, où sont-ils en bagage, l'on pas magistrat encore? Est-ce que ça dit que ou pas capable de prendre le mandat encore comme magistrat? Bon, comme magistrat, c'est le dernier terme moi, pour qu'on y a. Après ça, si je suis un magistrat encore, je vais me chiter pour 2 ans. Okay. Mais on connaît que pendant que je suis là, ou là, on connaît plus de projets que j'ai fait, on connaît que. Moi-même, projet, moi, c'est qu'en 2022, je vais courir pour Caroni Commission, District 2, pour mal remplacer le commissionnaire Jean-Monestime. Vous connaissez le commissionnaire Jean-Monestime, il fait à peu près 12 ans dans le poste. Il y a un pile travail que le fait, que je vais continuer. Okay. Et l'autre bagaille que le pas en fait, moi-même, pour mal faire, pour me capable de faire District 2, avancer pour plus devant. Très bien. Madame, monsieur, notre invité. Magistrat Philippe Bien-Aimé. Avec Philippe, nous allons regarder l'autre aspect qui c'est l'aspect politique, puisque nous connaissons en novembre 2022 pour aller gagner l'élection. Premier tour d'élection probablement fait en août. Yes. Et si gagne tout goal, si gagne tout goal, pas gagner l'élection en novembre, ça veut dire si on moun tout gagne en août, donc l'élection a pratiquement fini. Mais si pas gagne en août, a gagné en deuxième tour, qu'a fait en novembre. Parlez-nous de projet politique ça. Est-ce que son projet qui sont pour le pire, pour le servir dans le pire niveau, ou bien c'est justement carrière politique là qui a continué puis après pour nous capable arriver en l'autre côté. Bon, on connaît que magistrat a gagné 2 termes. Me font premier terme 2019-2021 et me gagne deuxième terme mai 2021 à mai 2023. Donc en 2022. En novembre 2022, gon poste cap vide qui c'est poste County Commission District 2. Et on connaît ville North Miami, c'est plus gros municipalité qui en dedans District 2. Donc c'est normal que moi me fin travail dans ville North Miami pour à peu près 9 ans. Comprendre, il prend 9 ans et demi ou bien 9 ans 3 quarts, 9 ans 7 mois. Donc m'estimer que nan, aller dans la County Commission, nan, non seulement bral champion pour North Miami Beach et Opa-Locka, parce que c'est 3 municipalités ça, qui composent le district 2. Ya, et en plus de ça, pour zone unincorporated de Dedio, vous comprenez ça, Mdolan, nous pral poter économique opportunité, nous pral poter plus aide pour business yo, et nous pral permettre que la rien plus clean et plus safety dans le district 2. Ya. Donc, c'est peut-être ça que je travaille que je fais dans la ville de North Miami, mais estime que je fais un travail qui est très acceptable et que je quitte la ville avec un supplé économique. Okay. Parce que contrairement à 2 ans de cela, tu as un déficit de 14,7 millions de dollars, mais en 2 ans, nous faisons tout en supplé, puisque nous avons un plan pour ça. L'un de fait, c'était prévu, comprendre, parce que l'offre finance, c'est prévoit. Donc, nous avons accepté de prendre un déficit. Un, pour ne pas raise tax on the people, sous mounio. Deux, pour ne pas couper service. Si je connais dans le futur, je bien assets cap entrer, cap couvrir déficit. C'est ça que nous faisons. Et l'homme va quitter là dans le dernier report qu'on fait qui vient pour paraître peut-être dans le mois d'avril, mois de mars 2022. Je vais garantir la ville de North Miami pour gagner à peu près 6 à 7 millions de dollars surplus là-dedans. Donc, j'estime que le travail, je fais son travail acceptable, mais continuer le travail là, c'est ça que fait ma demande de résident ville North Miami, résident ville North Miami Beach, résident ville Opa-Locka. Alors, c'est pas tout North Miami Beach, hein, bien entendu. C'est pas tout North Miami, hein, c'est pas tout Opa-Locka. Et ma demande de toute zone en incorporated de Dio, ma parle de tout le monde qui est en zone Ogrovio, tout le monde qui est en zone Biscayne Garden. Comprendre tout le monde qui est dans la zone nord-ouest, demande pour rassembler, pour make sure que dans le mois d'août Cap Vin là, yo élu Philippe Bien-Aimé comme County Commission, commissionneur pour District 2, pour me capable de continuer à faire le travail que je fais dans notre Miami étendu dans tout district. Ok. Donc, son choix politique, et j'imagine, réfléchi.
Donc, parce que Philippe Bien-Aimé, comme homme politique, comme monde qui a servi la communauté, hein, pas pour le faire un choix politique sans que li paroi li tout gagné. Donc, je dis à nous, un grand pile candidat qui déjà fait fundraising, qui déjà souterrain, et nous, Philippe qui propose la fête travailler comme magistrat. Est-ce que, quelque part, c'est parce que ou pas inquiété de l'autre candidat, yo, parce que nous connaissons quelqu'un, ça n'a pas besoin. C'était non, yo. Est-ce qu'on pas craint que. Bon, premièrement, on va camper. Philippe Bien-Aimé, magistrat ville nord miam miam travaille. Ça veut dire, a good mayor can be a good commissioner. Ok. Ça veut dire, si je suis un bon magistrat, bon automatiquement, je suis un bon commissionnaire. Donc, deuxièmement, je travaille sur le terrain, travail à fait. Comprendre ça, je suis en contact, je suis multiplié. Et un peu de monde qu'on aime déjà. Il y a d'autres monde qui ont fait campagne parce que. Il y a 20 ans, 30 ans là, mais moun blie yo. Gen moun ki va blie yo, obligé ou paraît pour dire hey, m la toujours. Gen de l'autre moun tout qui dit que le te gen 30 ans là, mon pa jam tande, c'est konye a. Moun a dit qui est moun ça? Li dit le gen 30 ans là et puis c'est konye m'a tande moun ça parce que communauté là li parle son communauté là longtemps, pas vrai? Communauté pour bâtir, pour arriver là. Pour moi, Philippe Bien-Aimé, saute Port-au-Prince, pour me magistrat. Gonse de monde qui mourit, gonse de monde qui fait manifestation, gonse de monde qui baille kobio pour baille de l'eau dans manifestation, radio, kerbi, tout le monde sort, c'est de monde qui baille vio pour communauté qui arrive côté rivière. Parce que ou même ou kapagne trop longtemps là. Mais pour moi, même vin magistrat, bon ben l'autre monde qui font bon sacrifice. Est-ce qu'on connaît de monde qui pas jambou chercher famille en Haïti? Gen de monde qui. Gon bon petit l'autre famille yo était pauvre pour qui ça parce que la toute manifestation là monte New York yo là parce que yo te bay vie yo pensant que leur communauté ça a changé n'a pas changé Haïti donc faut me songer moun ça c'est ça fait l'homme travail yo mette me consulmen yo mette magistrat l'homme moun nan vinn devant me connaît sacrifice que en pile moun fait pour gen 4 votes ça pour gen passeport américain pour gen droit ça pour le voter combien avocat manger comme li mal avant le récit je nous dernier moun qui est d'elle ou comment ça me dit combien comme que le perdu l'en prend quand tu en fait décollage pour vous chercher bon petit moun Haïti c'est ça faut gen tout moun sont pauvre la communauté noire c'est bagage ça parce que bon moun ka dit moi comment ça moun ça gen 40 ans ici et puis moun nan pauvre comme ça. Mais il faut chercher 7-8 personnes. Et puis il fait des collages pour n'importe 5-6 familles. Donc, la quantité de monde, s'il tape tout comme ça, et puis chaque année, il faut le faire mal à Haïti. Chaque fête, il faut le voir à Haïti. De temps en temps, il touche comme là. Premier côté pour le garder, c'est en Haïti pour le voir 20 ou 30 dollars. Donc, une communauté comme ça, c'est extrêmement difficile pour les riches. Vous comprenez ça, Mdoula? Donc, c'est tout sacrifice ça que vous faites. Donc, c'est ça que fait moi-même, là où est-ce que je suis pas sélectif. C'est ça à cœur, là où vous faites mon honneur, vous votez, vous devez respecter ça. C'est peut-être ça, vous devez retourner votre là sous forme service by Mdoula. Donc, allez dans 46 commissions, hein, qui ont à peu près 200 000 personnes qui vivent là-dedans. Vous avez dirigé Ville 9 Miami, qui a 70 000 personnes. Vous dirigez lui. Qu'on y a demandé mon yo faire mon honneur pour mal diriger une population qui a à peu près 200 000 monde pour être capable de continuer à faire travail, communauté, faire communauté avancer, que ce soit small business, que ce soit residential rehab, que ce soit porter service social by mon yo, que ce soit make sure que dans le cop cap dépenser downtown, il y a un investissement fait dans le district 2. Parce que si mal est en sorte, ou aller Doral, ou aller Palmetto, ou aller Cypress, ou est grand pile changement, 30 ans de cela. Et pour l'industrie dehors, il y a en pile bagaille qui mérite fait. Donc c'est ça qui fait que moi, je suis en bas, je ne vais pas le bataille, je vais aller comme un monde qui connaît comment le gouvernement fonctionne, comme un bon négociateur qui est capable de chita sous table, make sure que, quelle que soit la séparation qui a fait là, bon parti qui vient dépenser dans le district 2, hein, c'est exactement ça que je vais faire dans la ville, dans 46 commissions. Nous, on voit que les candidats qui déjà fait et fundraising qui a ramassé l'argent nous pouvons démarrer maintenant qui ça qui faut confier comme ça comme si non campagne is not about money campagne is not about money c'est pas l'argent qui fait campagne il y a monde qui gagne pile en pile l'argent et puis qui perd l'élection il y a monde qui pas gagne cob qui gagne l'élection donc c'est pas l'argent dans un come first premier bagage là c'est base c'est peuple qui va le voter. Parce que je ne peux pas payer mon 1000 gouttes pour aller voter pour moi ici. Donc ça veut dire que le problème n'est pas important.
Donc ça ne veut pas qu'on compte sous Coblan. C'est communauté, c'est base, là, c'est monde qui peut voter. Il n'y a pas analysé tout candidat qui gagne. Et puis il y a qui est qui plus capable à le défendre en bas. Non, non, ok. Je regarde la réalité ça. Est-ce que quelque part, au grand pile, au confiance, c'est normal. C'est ça qui doit profil statut de candidat. D'ailleurs, tout candidat toujours est au gagné. Mais est-ce que dans l'autre haïtien qui est candidat, est-ce que quelque part, on va reconnaître qu'il y a une chance pour gagner tout? Bon, bon, c'est un exemple. Ou bon, une heure de temps là pour me parler de ce qui a passé dans la ville de North Miami. C'est comme si une bonne possibilité de faire campagne. Est-ce que je paye? Non. Est-ce que je paye CEO, Kirby, le veillé? Non. Ok. Donc ça veut dire. Il y a l'autre monde pour venir parler là, il faut taper un paquet de cob pour faire une heure de parler. Pas vrai? Donc ça veut dire privilège à opportunité que je gagne, c'est pas aller tout le monde gagner. Parce que moi-même, la communauté, ça pendant des temps, que ce soit pendant que je suis dans le business, c'est comportement comme businessman dans la communauté qui fait bien consulmen, qui fait bien magistrat. Donc c'est même comportement ça qui a mené downtown pour mal représenter le district 2. Donc je suis confident que. C'est vous avez plusieurs candidats. Donc, soit ça m'a souhaité, que son, c'est Youn Nanou qui gagne. Et m'a été quoi que c'est moi qui a gagné. Donc, l'homme gagne, m'a pris un projet politique. Chaque sa moun sa ou gagne de bon la caillou pour m'a capable de délivrer par la communauté. La communauté a qu'on aime délivrer déjà. Je vais continuer de délivrer par la communauté. Alors, vous dites, mon bagage, Magistrat Philippe bien-aimé, vous dites, Jean Monestine, et qui fait 12 ans dans le poste là, vous pouvez continuer. Et réalisation, est-ce que c'est continué? Non, c'est pas ça, me dit. Me dit comme ça que le commissionnaire de mon estime fait 12 ans, tout ça fait le bon, tout ça le fait qui est bon, yo, m'a continué li, et l'autre bagaille que le parfait, moi-même, m'a le faire. Tout à fait, c'est ça, m'a besoin et il y a une précision sur vous-même. Est-ce que je dis, ou tout dit, commissionnaire Jean Monestime a supporté campagne? Non, non, c'est pas ça, me dit. Non, 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 non. C'est premièrement, c'est pas question, et pas moi pour répondre à la question. C'est commissionnaire Monestime qui a dit qui moun l'a supporté. Okay. Et premier bagage. Même s'il te dit ça en personne, m'a pas vinn dit ça. C'est lui pour me quitter annoncer que l'a supporté campagne ou pas. Mais commissionnaire Monestime pas dit que l'a supporté campagne. Moi même ça me dit que moi Philippe bien-aimé tout ça bon la caille. C'est même comme magistrat North Miami, pas vrai? I'm not a perfect man. Yes. On pas fait tout bagage 100%. Il y a des choses que je fais, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Même estimer que dans sa grande majorité, je travaille comme magistrat. Donc, l'autre monde a venu. Ça bon, là, ça m'a fait, il y a des gens qui sont et ça pas bon, il y a coupé, rupture avec eux pour le faire l'autre bagaille. Donc, c'est comme ça. A toujours des travail pour faire après. Tout parce que la ville n'a pas été statique. Quand on est commissionnant, il n'a pas été statique. La move. Pas vrai? Il y a des gens l'école là. Pour prendre 2000 moun, après 20 ans, il faut me faire l'autre l'école sous côté parce que y a plus de monde. Vous commencez à me donner un docteur qui dit. Nous connaissons Philippe et bien-aimé, ou so, ou gon go équipe. Parce que en pile moun et connaît que même si c'est magistrat Philippe bien-aimé qui a parlé là, il n'est pas aussi confiance, il n'est pas chita son bon base politique. Qui a une bonne équipe politique, qui a accompagné d'ailleurs. C'est ça, un leader de grande équipe politique. Maintenant, est-ce que l'équipe politique ou bien là ou pensez que l'invincible par l'autre équipe politique qui a non pas parler ou bien non pas chita sous base l'argent pas chita sous base acteur politique qu'avait chita sous votre peuple là votre peuple là votre président yo qui confie que me confiant que qui pral faire jugement yo pral voter et me ta remet que yo fait honneur pour yo voter pour moi comprendre m'pa pral di yo yo déjà voté pour moi c'est pas ça me dit mais si il y a une cap garder là qui habite dans district 2 me dit que moi Philippe bien-aimé d'aimer me représenter district 2 dans Caroni commission là d'aimer continuer faire ça m'a fait dans City of Miami qui bon dans district 2 et l'autre bagaille qui pas fait pour me continuer faire parce que me connais une bagaille que me va le faire I will be the champion pour municipalité yo. OK. Permettre que municipalité rejoigne tout support moi comme quand on est commissionnaire que ce soit North Miami, North Miami Beach et City of Opa-locka. Deuxièmement, où qu'on est en incorporated deadland, it's a big portion qui est en district 2. Safety and a cleaner district. Et puis pendant que nous allons travailler pour faire economic development,
comprendre update si a qui gagne dans 79 là à 7e avenue pour nous porter l'argent by business qui habite dans qui dans district 2. Donc c'est à peu près comme ça mission statement moi plateforme moi pour me capable faire district 2 avancer. Donc c'est pour un Philippe bien-aimé bourré d'expérience politique et qui déjà un projet va le faire atterrir donc il va le présenter dans l'élection 2022. Bon, en août 2022 comme moi candidat pour County Commission district 2 pour me capable remplacer commissionneur Jean Monestime qui pas courir en qui pas courir encore pour County Commission là parce que depuis 2013 il a décidé que c'est deux termes en 4 years. Okay. Vous comprendre pour courir et moi j'étais confident que résident dans County affordable housing for example par exemple dans ville North Miami l'ensemble de projets que nous cap vini il y a près de 2000 affordable la style pas assez donc on comptait que l'homme rivé dans County Commission pour encourager plus affordable housing unit créé dans ville North Miami. Vous comprenez ça, Mdolan? Donc, c'est vœu ça que me fait mon yo pour année 2022 qui va venir. Et m'a tout profité de l'occasion qu'on est pour me saluer Zamino, Kirby Léveillé, ou qu'on est qui toujours fait une gros fête. Hein? Oui, on Haitian Music Awards. Yes, parce que promotion musique est extrêmement important, pas vrai? Donc, chaque année, monsieur mettait toute énergie, li, toute force li, pour le réaliser un award. Pour le capable de promouvoir, encourager artistes haïtiens, pour encourager la musique haïtienne, son gros bagaille. Donc, le 15 janvier, et il y a un gars qui fait comme content, la fête dans la ville de North Miami, Beach. Dans la ville de North Miami Beach, je souhaitais qu'on l'autre, si je si me disais que je vais faire dans North Miami, nous connaissons ce nom, et même côté. Donc, nous avons un pile de monde. Non, nous avons bien tout le monde conseillé, que ce soit Mackenzie Fleurimont, que ce soit Daniel Agent, ou qu'on est qui c'est un former City of North Miami employé, ou qu'on est que ou gagnez. Paul Villa, ou qu'on est qui sont long time, moun qui l'en communauté de police dans City Miami, qui long time resident of North Miami Beach, ou qu'on est Michael Joseph, donc ou qu'on est toute équipe moun qui a travaillé dans North Miami Beach, nous pas de problème. Donc, ma présent avec madame moi dans la fête là. Donc, pour me supporter, non, ou nous avons déjà approché cette question. Community policing, that's the best way to tackle délinquance tout partout et dans la ville de North Miami. C'est approche ça nous utiliser. Nous avons une police qui est dynamique, nous avons une police qui reflète les gens qui habitent dans la ville. Longtemps, pas de toute police haïtienne, ça. Alors, il faut que nous c'est pour la première fois. Police ville North Miami gen tout policier haïtien sa qui parle créole. Ça veut dire les bons problèmes besoin qui moun lié nous voyons moun qui parle langue moun yo. Comprendre au lieu que nous wè ti moun na un petit bout de marijuana nous arrêtel nous prenons, nous fermons la machine là nous mettons la police station là après ça nous parlons avec nous voyons la kali au lieu d'aller mettre un mauvais record sur c'est ça me saisit récemment. Donc parce que toi ti moun ka fait des ordres depuis c'était haïtien oui ouais. Policier prend il parle avec puis il les parents il pas faire pa non non gende le ça ne faire nous prend nous mettre menotte nous mettre au chita font 2 heures temps 3 heures temps pour pas gagne moun pour comprendre après ça relé aux parents si c'est ti moun qui en bas âge relé parents pour parents ouais yo mais ça ti moun a fait des ordres après fait parents prend ti moun yo aller parce que si nous prend ti moun qui gagne 16 ans nous mettons un record criminel sous ti moun sa. Premièrement, il va pas faire notre travail, deuxièmement, il va pas continuer à l'école. Qu'est-ce qui va le passer?
fini. Il pas prendre ça. Il pas venir gangster, il pas venir gang pour le bagaille parce qu'il pas qu'à continuer l'école, il gagne problème pour continuer l'école, il gagne problème pour joindre au travail, il déjà gagne mauvais record. Donc meilleure solution c'est essayer kembe ti moun pour pas gagne mauvais record pour nous est-ce que là l'école. Parce que plus ti chita souvent l'école, c'est plus il gagne chance joindre un message qui capable changer la ville. Li capable à l'église di jwenn un message qui capable changer la ville. Donc c'est ça qui fait que dans ville North Miami nous prioriser ça nous relé community policing parler à ti moun. C'est ça pour le chef police chaque jeudi sur bicyclette que nous aller dans zone nous parler avec moun yo comprendre ça m'do là pour montrer que police là la police en refléter communauté en donc pour nous capable diminuer délinquance qui gagne dans ville North Miami. Très bien. Et puis on l'autre bagage que nous prenons très au sérieux, nous pas d'accord que moun sorti dans l'autre ville on l'autre côté vienne faire des ordres dans North Miami. C'est pour ça après nous clean 6e avenue avec moun cap sorti l'autre côté vienne faire dans ville North Miami. Compliment parce que aspect ça m'a pas voulu vraiment quitter le pas toucher l'ensemble avant, c'est vraiment un bon aspect et toi ti monsieur ça me dire c'est justement nos market qui rentre et puis gagne qui prend bagage. Et puis l'autre pas connait pour diable. En tout cas, c'est un bon comportement pour nous capable au moins sauver surtout et ti moun haïtien qui dans communauté. Nous connaît Philippe ou c'est haïtien, rete attaché à chaque pays. Si 2021 était bon, pas trop mauvais là pour notre Miami, mais 2021 en Haïti c'était tête chargée. Nous va faire un coup de pied, un coup de sur Haïti. Comme on comprend 2021 pour Haïti, nous perdons président, insécurité a galopé, à qui sentiment chaque fois ou même qu'a parlé de belle réalisation ça et pour font coup d'œil dans pays où ouais maintenant qui ça nous est. Il y a deux bagages qui fait me triste et puis il y a bagage qui fait comme content tout. Ça qui fait me triste c'est que moi que vacances rivées nous pas qu'à Haïti. Nous la quantité l'argent qui perdu dans lien aérien dans moun ki t'a acheté bagay pote nan paysan moi comment situation paysan avec monsieur gang sa yo li permet que Port-au-Prince avec zone avoisinante yo yo rive lan situation extrêmement difficile. Ça fait mal en pile ouais que Haïti tombé dans situation ça. Yon l'autre bagay qui fait mal pendant que Haïti lan problème mise ça moi ouais que haïtien pa bo ici. Il a pas acheté Kai Saint-Domingue, il a pas acheté Kai Bahamas. Et moun sa ont contribué dans fait Haïti dans étalier. Son bagage qui fait mal. Mais ça qui un petit genre réjouis parfois c'est parce que moi que nèg yo craser Port-au-Prince en dehors arrêté presque un petit genre ten face. Donc c'est espoir ça qu'on gagne. Donc me dit yo mettre craser Port-au-Prince, please quitter arrière pays là. Parce que peut-être un jour à un gouvernement à une équipe moun ka vini ka changer pays an, et le ça a utilisé ressources que nous avons dans back pays an, dans arrière pays an, pour capable refaire pays an. Donc c'est comme ça moi les même. Donc Haïti pas un mal endémique comme homme politique qui deux ou bien trois bagages que nous t'a dû faire pour nous sortir côté nous là en Haïti. Premièrement, elle a son conscience nationale en haïtien pour nous mettre tête nous ensemble, son projet de société pour nous faire Haïti avancer. Okay. Et puis pour nous connaître et par l'autre bok pour le faire avancer. Pas compter sur américain pour descendre en Haïti à résoudre le problème Haïti. Okay. Ça va pas fait. Si on descend en Haïti, on va protéger intérêt américain en Haïti et intérêt ressortissant américain ou bien haïtien américain qui est en Haïti. C'est ça on va le faire. Donc, pas penser que vous pouvez changer le pays pour nous. Donc, nous condamner pour nous vivre ensemble, pour nous chercher solution, pour nous résoudre le problème du pays. Non. Très bien. Donc, solution haïtien, c'est haïtien lié. Il n'y a pas de l'autre. États-Unis, ça fait 20 ans occupé Afghanistan, va vrai? Il y a passé trillions de dollars. Qu'on l'a laissé au courant passer. Vous pouvez même bagarre recommencer encore. Oui. C'est même bagarre oui. Amérique a descendu là, maybe descendu 20 000 soldats, il m'a des kidnappeurs, tout bagage suspend, ou après tout ni kidnapper yo, a déposé les armes. Quand Amérique a allé, yo reprend les armes encore. Donc ça veut dire c'est Haïti pour résoudre le problème. Non? Très bien. Voilà, et pratiquement, dernière ligne droite émission, nous, dans la fin d'année, qui souhaite ou gagner pour non seulement. Moun qui nan ou m di moun ki nan Miami parce que gen haïtien, gen spanish, gen lot étranger yo
et puis pour Haïti, c'est qui ça? Bon, pour North Miami, c'est ouais, North Miami, comment continuer à avancer pour plus devant, d'ailleurs que ville continue à avancer pour plus devant, que crime continue à baisser plus bas, que ville continue plus propre, que Jean Lié qu'on y a fait ville vienne plus propre, permettre que tout département y a fonctionné, permettre que COVID-19 avec Omicron li disparaît et que tout le monde prend mesure de précaution yo. Premièrement, c'est encourager tout le monde pour prendre vaccin yo. Moi la tout le monde la caille moi net fully vaccinated. Fully vaccinated, dernier petit moi gain 17 ans, li fully vaccinated parce que la joue sport, li obligé. Donc c'est encourager tout le monde prendre vaccin yo et continuer pratiquer social distancing et continuer prendre mesure de sécurité pour permettre que nous protéger nous contre coronavirus et pour corona capable aller pour 2022 et pour Haïti souhaiter que acteur yo prend conscience que yo pas gagne l'autre pays pas gagne l'autre monde qui va venir aider nous changer Haïti pas gagne l'autre monde qui va venir faire 400 maos disparaître ou bien monsieur village de Dieu ou bien ti l'appui dans grand ravine ou bien dans tibois deux zones que me connais très très bien des problèmes ça me gagne oui donc j'ai le m'a monter dans Sion le m'a monter dans grand ravine le m'a monter dans tibois m'bral derrière bon chadec qui gagne Saint Jude monter en haut et puis qu'on y a des cahiers tout côté ça yo et puis qu'on y a ces gangs qui occupent lui donc bagaille ça parfois il fait mal on comprend ça me là mais c'est souhaiter que pays prend conscience que c'est haïtien qui pour changer Haïti pour pas compter que blanc il change Haïti pour yo donc c'est espoir voilà mesdames messieurs notre invité c'était Philippe Bien-Aimé le maire de la ville de North Miami avec Philippe nous garder qui s'habille en tailler nous garder ensemble de activités li réaliser tout au long de l'année de Thanksgiving Noël tout accompagnement et travail que vous arrivez faire en termes de projet avec développeurs en termes de accompagnement population Philippe Bien-Aimé qui gagne un nouveau projet politique en 2022 qui candidat pour Miami de County 2 donc l'inviter tout le monde qui apprécie le travail, tout le monde qui apprécie le leadership que le développé dans notre Miami pour accompagner dans le cadre de l'élection. Madame, monsieur, merci parce que toujours fidèle à l'émission. Réalisateur, c'est Kerby Léveillé. Présentateur, moi-même, Gauthier Bernard. Bye bye, à la prochaine.